Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis, comme on est passé la barre des 700 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à tous qui sont abonnés. La vidéo, c'est le tuto comment télécharger ces deux Call of Duty là. Alors, attendez que je clique le premier et le deuxième. Alors, le premier Call of Duty ne s'ouvre pas, je vais vous faire voir. Je crois qu'on peut pas rentrer dans le jeu. Voilà, dans ce cas-là, voilà, vous voyez que c'est marqué Activision. Tiens, ça vient bien de Call of Duty. Et après, on va voir Claude le zombie. On peut jouer dedans. Celui-là, ça va vous faire comme ça. Normalement, peut-être après, ça va vous mettre peut-être une barre de chargement ou pas. Je ne sais pas du tout. Parce que moi, ça me l'avait fait un moment, mais après, je l'ai supprimé parce qu'on ne pouvait pas. Celui-là, je ne sais pas comment j'avais fait pour le télécharger. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas vous faire voir comment, mais je vais vous faire voir un autre Call of Duty. Et le mode zombie, on peut rentrer dedans, bien sûr. On peut tranquillement rentrer dedans. Ils vont juste après vous demander de laisser charger. Bien sûr, il ne faut pas que le téléphone se coupe le temps du téléchargement. Voilà. Là, après, vous avez la petite musique. Normalement, moi, j'ai pas mis le son, c'est pour ça. Là, après, voilà. Là, on se retrouve tout de suite. Voilà, les gars. Alors, vous avez vu, vous entendez un peu le son du zombie. Et après, si vous voulez avoir. Voilà, vous allez en solo. S'il veut bien. Vous pouvez avoir plusieurs trucs. Hein. Voilà, là je viens de lancer le solo. Mais vous pouvez avoir le BO2, comme sur BO2, le mode zombie, même où on peut tourner, ou BO1. Là voilà. Et aussi, vous pouvez reprendre vos parties. Alors, je vais vous faire voir que on peut vraiment bien y jouer. Alors, voilà. Alors, vous avez par contre directement un viseur auto. Et bien sûr, vous avez un. Au début, ils vous font voir comment y jouer. Voilà. Alors, nous, on va quitter. Sauvegarder et quitter. Et là, je vais vous faire voir comment télécharger le Call of Duty qui fonctionne en premier. Celui-là, ça gère. Celui-là qui fonctionne, celui-là. Sur une application. Alors, déjà, il faut télécharger. Je crois que c'est. Soit APK pur ou soit Tutu App. Un des deux. Alors, on va aller sur APK pur. Voilà. Là, je viens de télécharger Mobizen parce que j'ai un problème. C'est supprimé tout seul. Là, vous allez marquer Call of. Non, c'est comme là. K l'œuf. Merde. D'où est-il? Alors, est-ce qu'il est là? Alors alors vous pouvez aussi en même temps avoir War War 2, comme ça je vous fais voir en même temps parce que ça je voulais vous faire voir. Vous pouvez avoir War War 2, je vais vous faire voir la vidéo. Comme ça, vous verrez. Vous pouvez avoir celui-là aussi, qui est en train de charger là. Moi je l'ai pas encore, je l'ai pas essayé du tout, alors je peux pas vous dire qu'il fonctionne s'il fonctionne pas. Mais ça en tout cas, les images que vous allez voir est vraiment dans le vrai jeu et dans le jeu Call of Duty sur téléphone War War 2 WW2 Call of Duty W2. Voilà, War War 2. Voilà, il est dedans. Sauf que normalement il n'y a pas les Allemands qui vous tirent dessus à la mitrailleuse. Il y a juste les tanks, c'est un combat de tanks normalement. Mais là ils ont mis avec les soldats, c'est-à-dire qu'on peut peut-être jouer en étant soldat, tout ça. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs qui se passent. Voilà, War War 2. Voilà, alors il y a celui-là. Si vous voulez l'installer, installez-le. Voilà, vous allez sur APK pur et vous le trouverez. Maintenant, comme sur APK pur, il n'y est pas le zombie. Alors vous allez sur Tutu App. Alors je peux pas vous les mettre en description parce que ça prendrait trop de temps pour la sortir. Sinon, la vidéo, je prendrais. Peut-être 2 jours à la sortir, trop long. Alors là, je vais vous. Il n'y aura que le montage vite fait, vidéo, nanana. Alors là, vous marquez Raw Call of. Regardez, Call of Duty. Alors vous marquez juste ça, et normalement, vous allez Off Duty, Black Ops, Zombie. Vous allez voir ça. Alors, il y en a deux. Alors, le premier, il est bon. Alors voilà, ça, c'est les images que je voulais vous faire voir. Ça, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le faire. Ça y est aussi. Il y a vraiment beaucoup. Il y a 4 modes. Il y a le Call of Duty normal. Ou soit il y a un peu plus de. Qui prend un peu plus de place. Call of Duty mode zombie modé. Utilisé. Ça utilise un truc modé exprès. C'est celui-là que j'ai. Et je peux l'ouvrir si vous voulez. Regardez. On va l'ouvrir. Bah, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Voilà. Et je peux jouer dedans tout simplement. Après, si je veux choisir une partie. Et on peut jouer aussi en ligne. Dedans, on peut jouer en ligne.
Normalement, si on fait une nouvelle partie, on peut choisir dans quel mode qu'on veut. Voilà, là on peut choisir le mode qu'on veut. Alors on peut. Alors attendez, on peut soit partir dans ce mode-là, celui-là, celui-là, ou celui-là, la fusée, ou celui-là. Mais je vais vous faire voir que. Par contre, pour débloquer ce mode-là qu'on va jouer là, il faut avoir. Trouver les pièces. Et les pièces, ils sont faciles à trouver. Regardez, je peux tirer. Voilà, vous avez tant des grenades, tout ça. C'est vraiment comme sur la console. Voilà, vous l'avez. C'est pas mal. C'est pareil que sur la console en fait. Alors on va faire ça vite fait, hein. Voilà. Alors bien sûr, récupérez bien toutes les pièces, tout ça, ça va vous donner du niveau et donner du de chances de survivre plus. C'est bien parce que dans ce mode-là, t'as les balles illimitées. Et ramassez bien tous les petits trucs là. Et comme la bombe, tout ça, vous ramassez. Voilà, là, là, là. Voilà, et après vous pouvez repartir en bas. Et ça, vous pouvez durer très très longtemps dans ce mode. Voilà. Regardez. Vous pouvez vraiment durer pendant des heures et des heures sur ce jeu-là, sur ce mode-là. Ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment pas mal. Juste après que ça c'est fini, on va se laisser, les gars. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vite fait, le petit tuto. Bon, même si le premier Call of Duty que je vous avais fait voir, voilà, normalement c'était celui-là que je devais vous faire voir, mais on peut pas l'ouvrir, je sais pas pourquoi encore. Et peut-être pas sorti officiellement, c'est pour ça que je vous avais prévenu. Mais en tout cas, le Call of Duty, celui-là, vous pouvez jouer, il est officiel. Et bien sûr, n'allez pas l'acheter, ça sert strictement à rien parce qu'il est payant normalement sur le Play Store. Voilà. Bon, les gars, nous on va se quitter sur ça. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Ciao, ciao.